Là, je suis pas yam du tout là. Non, 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 mais gros, t'as pas vu, ce qui s'est passé, frère. Fail barbare, fail barbare. Mais non, c'est pas le fail barbare, je l'ai mis sur le côté parce que je me suis dit, va boule de feu, il a dansé la samba, gros, il a fait demi-tour et après il était sur la tour. Et yo tout le monde, c'est Limonti, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui les gars, petit BO5, ça fait plusieurs mois, voire, non j'allais dire plusieurs années, on va peut-être pas abuser, que j'avais pas fait de BO. Et ce sera en compagnie d'Icelow, il va me rejoindre dans un instant. On va essayer de se faire un petit BO5 classique, la méta qui a bien changé hein, depuis. D'ailleurs j'en profite pour vous rappeler que Icelow il a aussi une chaîne YouTube. Il fait énormément de super défis en ce moment, il fait pas mal de decks, de reviews, de live, donc n'hésitez pas à aller le suivre. Il va mettre pas mal de vidéos un peu plus tryhard que moi. Donc n'hésitez pas à aller checker sa chaîne, je vous mets son lien dans la description. Et allez à vous abonner et aussi à lui mettre un petit message d'encouragement. C'est pas forcément facile quand on commence YouTube ou quand on est au début de YouTube. Donc un petit message d'encouragement, allez voir ce qu'il fait. Et puis voilà, nous aujourd'hui on se retrouve pour un petit BO5. On va essayer de lui mettre quand même la petite raclée. Un joueur CRL Est, ça rigole pas. Hein. Il a fait deux saisons, une saison avec Sunbox, une saison avec Kix. Il était à deux doigts d'arriver en finale mondiale la saison dernière. Donc c'est clairement... Je pense que normal, sur le papier il va me défoncer. Mais on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Wesh frérot. Ouais, comment ça va? Bah écoute, bien là je suis chaud. Je leur ai expliqué que t'avais fait deux saisons de CRL. Moi ça fait deux saisons que je suis sur le banc de touche. Donc en termes de niveau, il y a peut-être moyen que je me fasse rouler dessus. Mais on va bien voir, hein, BO5 tout peut se passer hein. Ah on va voir, honnêtement c'est la fin d'année. Retraite, moi j'ai pas de fou, hein, donc, ah oui t'étais déjà en vacances hein. Ah oui, moi c'est... Bah écoute, je te laisse accepter, hop, la première game, et puis on est parti directement dans ce BO5. Y a pas de règles, hein, pas de ban, pas de duel, on joue ce qu'on veut. S'il veut jouer 5 fois le même deck, il peut. Bon, à éviter quand même. Ouais, hein. Ouais. Dans la compétition All-Star, là, pour ceux qui ont un peu suivi, c'est dès que vous avez joué une carte, vous pouvez plus la rejouer, etc. Ouais. Bon, là, ça, nous, ça existe pas. Moi je suis d'accord avec le concept, mais peut-être ils auraient pu mettre genre tu peux repeat certaines cartes en fait. Parce que du coup dès que t'as joué une bûche, si tu sais que le mec il peut plus jouer bûche en face, tu vois, c'est compliqué quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ça sur le fait, par exemple avec le poison du coup qui amène un clone ou quelque chose comme ça un peu. Ouais c'est ça ouais. Par exemple des exemples tout con, dès qu'il y a une carte qui est plus là, bon on l'avait vu quand il y avait des bans en CRL hein, dès qu'il y avait plus de poison, il y avait dit oh là c'est quoi son ton truc là. Je suis pas hyper confiant. Et aussi en SLO, je sais pas si tu te rappelles. En SLO, tu sais, il y avait des beaucoup de bans. Et le problème, du coup, de ça, c'est que bah, à la fin, il y avait des decks qui ne ressemblaient à rien, quoi. Ah oui, si, je m'en souviens, en 700, gros, tu sortais des decks. C'était genre vraiment l'improvisation de tu ouf. Tu sortais l'Amazon qui drague, c'était la normalité, quoi. Ah, le petit miner, comment tu vas défendre le double push, là? Ok, yes. Hop, là, petit fireball, bon, les dragons qui vont connecter l'autre côté, mais bon, je suis obligé. Ouais, mais regarde tout ce que t'as. Au final, t'as gratté plus que moi. Putain, le bâtard. Là, tu sais que t'as vraiment pris le deck, je sais pas si t'as suivi, mais t'as vraiment pris le deck que je déteste le plus par contre, hein. T'es vraiment un enculé. Hein. Ah, bon, ah c'est vraiment bon, le deck en ce moment, je peux pas le supporter. Hein. C'est le géant gobelin double prince. Ah ouais, mais j'ai vu, comment il s'appelle, c'est Rafo, ouais, oui, lui ça fait longtemps qu'il le joue. Hein. Ouais, mais déjà il le joue depuis longtemps, il a fait 23 SD, 12 victoires, mais c'est. Il se fout furieux. Ah, d'affilée? Ou non, pas d'affilée. Non, en une semaine. Ah ouais, mais il y en a qui en font encore mieux, hein. Là, je crois. Il y en a, ils se chauffent en ce moment, c'est insane. Non, il était top 1, il était top 1, parce que moi j'ai été identifié dedans, du coup. Ah, ok. Bah écoute, pas mal, hein. Pas mal. Mais ouais, il le jouait depuis longtemps, parce que je sais qu'il y a, tu sais, il y a un moment où je cherchais un petit peu à voir les decks qui étaient maxés, que je pouvais jouer en ladder. Et j'avais vu son deck et vu qu'il n'y avait pas de légendaire, j'étais en mode bah tiens ça peut être intéressant, je l'avais DM et tout, je lui avais dit est-ce que c'est fort ton deck dans la méta et tout, il m'avait dit bah franchement faut juste savoir le jouer. J'étais en mode bah yes, merci de mon conseil. Voilà les gars, petit pro tips pour ceux qui regardent la vidéo, si vous voulez jouer un deck en ladder, bah voilà. Non, faut juste savoir le jouer quoi, c'est pas plus compliqué que ça. C'est assez sympathique comme conseil. Ouais, la petite fireball là. J'ai eu peur. Tu me casses les couilles, t'as trop à gérer, hein, c'est infâme. Ouais, hein. ouais, mais toi aussi, hein, tu m'embêtes. Ouais, t'as plus de fireball. T'as plus de fireball. Ouais.
Ah, mais même avec ça, regarde! Tu veux que je fasse quoi là? Mais je suis sûr que ça peut être chiant pour toi, enfin pour moi aussi là, en même temps. Alors attends, parce que moi, hop, on attaque direct. Là, ça rigole. R! Ah, yes. Okay. Le Dark Prince. Ah ouais, j'avais oublié le Dark Prince. Je suis un peu con. Oh, c'est la première game qui est tellement tendue là. Ça commence fort là. Là, ça commence ça, très très fort. Ça, c'est le Delbor là, mais là c'est chaud là. Ouais. Putain, mais je peux pas flèche et je peux pas laisser non plus. Tu vois, dans les deux cas, je me fais baiser en fait. Genre, j'ai l'impression. Ouais, mais je suis dans la sauce parce que je sais pas exactement jouer ce deck là. Donc, je suis pas. Enfin, j'ai pas pris des decks avec lequel je sais jouer. Je sais pas, mais moi, j'aime pas quand tu me mets sous pression. Oula. Là c'est la merde, je pense. Je sais pas. Pas forcément d'ailleurs. Attends, parce que là c'est chaud ça. Ouais. Allez, allez, allez. Ah c'est chaud. Oh d'accord. Non, 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 non. Ok, voilà, on arrive dans le x3 en plus. Ah yes, heureusement que j'ai pas posé de molo, sinon j'étais dans la merde. Ouais, je... non mais c'était juste... Ouais. Parce que dans tous les cas, moi ça me dérange pas d'avoir fait ça, tu vois. Oh, alors que... oh. Ouais. Alors là, je suis vraiment teubé, frère. Non. Non, pourquoi j'ai fait ça, gros? Pourquoi j'ai fait ça? J'ai pas de cerveau, frère. Oh là là. Oh là, tu m'as mis en Ernest, gros. Oh, allez, allez, le prince! Ah! C'est chaud, sa mère, frère! Attends, mais c'est quoi ce BO de ouf, frère? Mec, c'est n'importe quoi! Gros, ça n'a aucun sens. Je sais, attends, ça finit pas, là. Ça finit pas, gros! Tu vas te faire baiser sur ça, genre? Non, non, non! Ah, non! Non, 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 oui, oui, oui! Non, c'est bon, j'ai gagné. Non! Non! Oh, mec! Non, mais là où j'ai troll, frère, c'est la boule de feu, gros. Je t'ai collé les dragons. Et en plus, ta boule de feu, les dragons, en ce moment-là, putain. Oh, la game de ouf, gros. Oh là là, mais par contre, t'as vu le niveau, mec. Là, on a pas de grosse. Ouais, là, voilà, c'est... Non, en vrai, non. Je trouve, en fait, j'ai l'impression que, genre, dans les moments critiques, on jouait bien pour sauver la game. Mais alors, dès qu'on était devant... Là, c'était Warrior sur le périph. Là, c'était T-Max en Y. Là, c'était là. Ah, mais il y a un moment, gros, quand t'as raté la boule de feu, j'étais en mode s'il rate le finish, là, c'est chaud quand même, non? Comment ça fait okay. Boule de feu que j'ai raté? Ah, non, j'ai fait une boule de feu. Ah, pas... Ouais. Enfin, pour moi, c'était en mode, bah, c'est soit ça passe, soit il se met bien, mais je pensais pas que t'allais t'encycler deux boules de feu, tu vois. Après, j'ai peut-être mal géré derrière, je sais pas, mais. Ouais, peut-être, compliqué. Mais tu sais, j'ai fait ça parce que j'ai l'habitude avec les Earthquake que tu peux cycler tellement vite, tu peux en mettre deux simples, hein. Tu peux en mettre deux faciles. Allez. Vas-y. On est reparti. En tout cas, du coup, 1-0, les gars, pour Islo. Et puis voilà. Hein. Ça fait chier. Ah, ouais, il y avait combien sur ta tour? Il y avait 90, 80, je sais plus. Ouais, il y avait pas beaucoup. Ouais, il y avait que dalle. Hein. En fait, ça manque peut-être un coup de dragon, du coup t'es ton dragon qui est mort juste à la Ouais, j'étais en... Même le dragon il a tapé que dalle, hein. J'étais en mode... Je sais pas combien ça fait un coup de dragon exactement, j'ai pas tous les dégâts, mais... Je sais pas non plus. C'était Tandax. Alors, oula, c'est quoi ce truc? Oh yes. En plus il se retourne... Ah ouais, j'avais même pas besoin de le défendre au final. Ouais. Oula, c'est... Attends, c'est quoi ça? En gros, c'est quoi ce truc? J'ai pris le deck de ton pote. Oh, jure tu joues Brispam. Nice. Ça fait longtemps que je l'ai pas joué. Hein. Vas-y, bah on va voir comment tu te débrouilles. Hein. Petit contrôle surprise, hop. Oh non, putain, tu l'as. Ouais, évidemment, tu poses en même temps, sinon c'est pas drôle. Ouais, bah clairement, je change. Enfin, j'essaye souvent de changer de côté. Je sais pas si c'est un bon truc, mais ça m'arrive souvent de faire ça, t'es de. Bah quand les tours sont full life, je pense pas que ça change grand chose. Bah après ça dépend du deck d'en face, tu vois. Ça peut être intéressant par exemple si tu sais que le mec il peut partir tank fond de map, tu vois. T'anticipes un petit peu si jamais il part fond de map et que tu sais que de l'autre côté ça peut être intéressant, mais... Bah là je pense que notre matchup ça change pas grand chose honnêtement. Ouais, c'est parce que je suis un mec imprévisible, tu vois, je suis ténébreux. Ouais. T'es un mec mystérieux, t'es comme Dark Sasuke, toi. Voilà. Oula. Moi j'ai pas tout... Voilà. Je n'ai pas toutes les refs sur ça. Je regarde pas l'ennemi. Alors. Oh non, 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 non.
Ouais, là t'es dans la merde, hein. Ça va, là t'es dans une merde, mon frère. T'es dans une merde, gros. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouais, c'est et c'est pour ça qu'il faut être, s'appeler Wero pour pouvoir jouer Bridge Spam, sinon c'est la merde. Ah ouais, voilà, j'ai bien perdu la tour. Ouais, c'est pas... On sent que là, c'était une... Putain, j'ai mis clic, ma charrette, moi, en plus. Oh bah, parfait. Ah, putain. Ça part du bon côté. Je suis mort, là. Je suis en voie qu'il y a quelqu'un qui s'étouffe. Ah ouais, bah si je meurs en vrai, c'est rentable pour toi du coup pour le BO. Hein. Ouais, bravo, ouais, ça. Bon après du coup la vidéo sortira pas donc c'est un peu con quand même, même si tu gagnes le BO. Ouais. Si la vidéo sort pas. Ouais mais, ouais bon après vas-y, tant pis. Au pire regarde, c'est je vais chez toi, j'essaye de... Tu récupères les fichiers. Ouais. Là. Attends parce que là si tu me fais un petit... Non ça va, on va même les archer magiques. Ouais non regarde. Ah. Mais tu sais que Bridge Spam, je suis tellement pas à l'aise avec ce genre de truc maintenant. Ouais. Quand je le jouais, tu sais, c'était déjà c'était Battle Ram et il y avait les Zappies, je m'en rappelle. Il y avait Battle Ram Zappies, t'avais une version avec le prince aussi, Mousquetaire, je sais pas si tu te souviens. Ça, c'est quand j'étais en CRL. Ouais. Moi, c'était, je m'en souviendrai toujours. C'était le. Tu sais, quand j'avais fait mon top 138 monde là, mon meilleur finish en gros. Mm-hmm. J'avais joué une seule game contre un mec qui était genre beaucoup plus haut que moi. Tu vois, c'était un plus 40 ou plus 45. Ok. Et j'étais en mode, vas-y, je donne tout et tout. Et c'était contre IMJP, je crois, ou je sais plus qui. Non, c'était pas IMJP, c'était Mickel, je crois. Ouais, Mickel04. Et il m'a défoncé, gros. Il m'a défoncé. Et c'est là où je me suis rendu compte. C'est le jour où je me suis rendu compte. Putain, le top 40 monde, c'est quand même. Top 40, top 30 monde, c'est quand même un autre délire. Bah, déjà, comme je te dis, moi, mon meilleur truc en ladder, c'est 30 ou 40, un truc comme ça. Mais et j'aurais pu faire un top 21 si je m'étais pas. Ouais. Game, mais honnêtement, j'étais dans ce milieu-là à l'époque. Hein, j'étais pas dégueu. Hein. C'est chaud. Non mais c'est cool. Au moins tu joues le beau jeu. Tu joues pas forcément. De toute façon on est là pour faire belles games. On est là pour faire des games comme la première là. Il faut qu'on ait des games serrées. On va voir, on va essayer. Non, en tout cas voilà. Maintenant j'ai mes cartes level 12 et merci. Yes. Hop, j'espère que tu kiffes ça. Ouais, ah. Je kiffe bien. Ah merde, j'ai cru que t'en avais raté un. Non, c'est, attends, quand, mais c'est quand tu le mets trop. C'est quand tu le mets trop, du coup. Ah ouais, ça fait. Parce que moi récemment j'en ratais beaucoup et je savais pas pourquoi. Non, oh, en vas-y, gros, tu casses en gros, si tu le mets trop haut et qu'il y en a un qui part en bas, un en haut, enfin un qui part sur la droite, un sur la gauche, il en tape qu'un des deux, mais sinon c'est ok. Ok. Il me semble que c'est ça, Hermano. Hop, là, le beau jeu là. Oh là, le bon beau jeu, le mec il a fait. Les gars, il a fait. T'en as fait combien là récemment des 12 avec ce deck? 800 000. À peu près, hein. À peu près. À vue d'œil. Voilà, à vue d'œil. Voilà. Ouais, ça va, je prends un coup, c'est carré. C'est carré dans l'axe. Oh. Ouais. Oh. Pourquoi? Oh. Le braquage, mec. Mais attends, le Fisherman, il a mis un coup sur Wall Breaker et. Mais oui, et du coup, ça s'est équilibré, genre. Ce qui fait que même pas, il y en a un qui a connecté, c'est les deux, ils se sont retrouvés avec un point de vie, gros. Mais moi, oh, je suis mort. Mais regarde. Non mais tu sais que là ça a pas de sens parce que électrospray plus fu ça tue les wallbreakers par contre. Ah ouais non mais laisse tomber. Sherman ça les tue pas quoi. Et l'électrospirit il est plus fort que tout frère, je vais jamais vu ça. Ah c'est White Spirit gros, c'est pour nettoyer tes. Oh. Ah ouais. Ça défend ou pas? Ah oh. Ouais obligé de faire ça là, du coup. Allez on fait tourner les serviettes. Hop. Au calme zer. Les apis ça défend. Eh hey, ça défend bien au final hein. Oula. Ouais ça défend. Oula, hop. Ça on va défendre tranquille avec une petite bûche. Pour l'instant je suis bien les gars. On a mis une bonne pression. Vraiment les doubles sapeurs je pense qui me changent la game. Hein. Très clairement. Ouais alors là ça c'est sûr. Hop. Ouais mais comment tu gères à gauche? Ah ouais l'esprit. Putain l'esprit élec aussi il fait vraiment le taf. Ouais, hein. mais un bon remplaçant. Là, je suis pas bien parce qu'il y a une batte qui a tapé. Je l'avais pas en cycle donc du coup j'ai pas pu faire autrement avant. Ouais, t'étais obligé de le mettre un petit peu en retard et du coup, ça, ouais, il y avait une batte qui traînait, exact, c'est ça exact, qui va te casser un peu les couilles. Hop. Ah, pas mal. Le petit blocage au pont là. Est-ce que ça va suffire? Eh non, frérot, parce qu'il y avait le mineur. Ah, t'as une chance, gros, inexistante là. Ouais, mais en fait, déjà j'ai mal géré ma game, mais mineur sapeur, déjà si tu joues bien, normalement, t'es censé me gagner. C'est ce que j'ai appris en jouant le match-up. J'ai joué contre des très bons joueurs mineurs sapeurs et vraiment ils me défonçaient ma race quand je jouais contre un bon joueur. Et quand je jouais contre un mec qui sait pas jouer, je gagnais.
Oh là, attends, parce que là, peut-être à tout moment, là. Le braquage. Voilà, faut pas que je le lâche la pression, les gars. Là, il va pas respirer, moi je vous le dis. Ouais, ah, GG. Merde, attends. Non, c'est bon. Ouh, j'ai eu peur quand même. Non, GG, t'as bien monté, hein, honnêtement. Non, tu sais, j'ai eu chaud. Sais qu'en ce moment, je joue vraiment n'importe comment. Je te jure que tu fais une pause sur le jeu. En fait, dès que tu te rentraînes, ça revient. Mais là, dans Ouais, ça c'est dur. Hein. Et ça, les gens, ils se rendent pas forcément compte. C'est pour ça que nous, on a beau être allé en CRL. Enfin, surtout moi, tu vois, j'ai beau être allé en CRL. Là, gros, mon niveau, il est nul. Là. Enfin, est correct par rapport au jeu, mais par rapport à la scène professionnelle ou quoi, c'est ridicule. Hein. Ouais, parce que déjà, en fait, t'as pas suivi forcément toutes les métas. Ensuite, le SD aussi, il y a un truc, même si je joue beaucoup ce deck en SD, je tombe contre des fous furieux. Genre, j'ai fait un SD 12 victoires, tu vois, je suis en 11-0. Le mec que je rencontre pour 12-0, c'est Golem Princesse TDE, tu vois. Genre, je fais, t'en es où, man? Tu vois, Tu joues contre des match-up que tu n'affronteras jamais de ta vie, tu vois, donc c'est... En tout cas, double balle de match, la petite balle de match point. Ouais, j'ai pris un deck beau jeu quand même. Vu que t'as joué beau jeu tout à l'heure, j'ai pris un deck beau jeu. On va bien voir. Hop. J'ai très peur de tes decks beau jeu. Ça te met pas. Non, non, toi c'est pas beau jeu. Par contre, là je regrette déjà ce que j'ai fait, gros. C'est archi pas beau jeu là. Si tu penses. Si c'est ce que je pense. Non, c'est pas Lengo. C'est pas Clo. Oh, bah alors par contre, c'est un bon match-up du coup. Ah, ça me met bien. Si c'est le géant double gargouille, c'est un très très bon match-up même. Non, c'est pas ça par contre. Ok, yes. Hop. Un max de près et de Sion. Hop là. Ok, ça c'est pas mal. Faut pas trop. Overcommit non plus. Ouais, en gros, pour t'expliquer là, tu vois, là, si tu sais pas encore ce que c'est, t'as un bon match-up quand même, mais c'est pas gigant. Ok, ouais. Ouais, bah je me doute bien, c'était pas normalement, je m'attendais pas à une cache goblin ni une. Et heureusement que t'avais la cache, je pense. Si t'avais pas la cache goblin, t'étais vraiment dans la merde. Hein. Si t'avais eu une horde ou un truc du genre là. Ouais. Moi déjà, j'aurais pas eu l'idée de jouer horde. Hein. Horde, je l'ai pas joué depuis 8 ans, frérot. Je te jure. C'est une carte qui n'existe plus. Mais c'est quoi ce deck de merde là? Alors on va faire ça et on va faire ça. Hop! Là c'est vraiment la défense improvisée de merde. Oh putain! Et tu te mets encore plus dans la merde. Allez, comment je vais défendre ça, gros? Non. Ah, quoique, hein, au final. Le KV il fait vraiment. C'est abusé, je trouve, les dégâts. Tu sais, les dégâts qu'il met avec son filet quand il attaque. Genre déjà le fait que ça tue les bats, c'est abusé. Hein. Ouais, non, mais ça tue les bats, tu sais, quand tu fireball. Ben, ça t'aide dans la défense en plus avec du coup Fireball, pas l'électro, mais ça défonce tout au final, tu vois. C'est vraiment intéressant, ouais. Ah, c'est une masterclass, hein. Vraiment masterclass, c'est trop. Je te jure, c'est trop. Ok, ça c'est trop aussi, hop. Oh putain, je suis une merde. Bah, y'a rien, là, t'es yard, hein. Ouais, mais si j'avais touché la boule de feu sur la Nightwitch, j'étais encore mieux, quoi. C'est ça que je veux dire, tu vois. Ouais, j'ai compris, Ah, c'est chaud, hein. Bah, t'as pas de bol parce que je l'ai joué souvent le match-up, quand même, là, contre Molos. Surtout que là, j'ai une bonne rotation. Ah, ouais, mais j'ai joué un deck de. Non, mais en fait, surtout que ma Fly Machine, pardon, elle me sert à rien, en fait. Genre, elle est là. Même ta sorcière de la nuit, hein, tes troupes, elles sont vraiment. C'est un peu la PLS, là. Mais tu t'en sors bien, hein, j'arrive pas à passer, regarde-moi ce push de merde. Ok. En fait, si je veux full défense, je pense que je full def, mais par contre, c'est plus l'attaque qui va être estamoui quand t'es 4. Ouais, comme on dit chez mes amis. Hop. Ouais, ça, je défends que comme ça. Là, je fais rien de plus. Là, je fais rien de plus. Ah ouais, c'est abandon, là. Ok. Ouais, fireball défensive aussi, c'est grave bon pour toi. L'archer qui reste en vie, ça me met bien. C'est bizarre ça par contre qu'il est pas réussi. Hein. Je m'attendais, j'étais en mode je suis dans la merde s'il reste en vie, mais il est pas resté en vie, donc je suis pas dans la merde. Ouais, non, tout ok, tout va bien.
Ah, c'est tendu quand même, hein. C'est tendu, hein. Ouais, c'est tendu de ouf. Tu t'en sens vraiment bien, je trouve. Là, oh, attention, ça. Mais oh, alors là, c'est. Non, mais j'ai rien. Donc, je suis obligé de le. Ouais, c'est le all-in là, les gars. Clairement. Ah, j'aurais peut-être pas dû le mettre aussi haut. Ouais, parce que là, regarde, pour une fois, il meurt celui-là, tu vois. Et c'est pas tout le temps qu'il ouais. meurt, ce dragon de l'enfer là. Là, peut-être que je reprends le lead là. Ouais, je pense que je reprends le lead, ouais, même. Ouais, allez. J'ai été obligé de faire ça sur le bûcheron. Ah non, j'ai. GG. Je pense là, j'ai été peut-être un peu trop passif à la fin. Parce qu'en fait, si je te laisse faire un gros push, vu que c'est pas un poison, j'ai une boule de feu. C'est compliqué quand même, ouais. Je trouve. Ah oh bah si t'as les poisons là, on est où là? On est snipeant du coup ouais, du coup Toto, bah à chaque fois on veut jouer beau jeu gros, on est pas direct le jeu, il dit ah tu sais pas jouer deck, bah tiens moi je fais une défaite là, ah, on ouais, va ranger là, le boot là. Mais j'ai l'impression t'es à 8 ans, tu te prends une petite claque dans la nuque là, tu fais aller là. Ouais, une petite claque derrière là, hop. Alors qu'est-ce Allez. Qu'on... Bah vas-y on va jouer ouais, j'avoue que... Ah moi, j'avais prévu... J'avais prévu un deck en 4-2-2. On va sortir le deck ultime. Ah ouais? Ouais. Alors là, ça va peut-être partir en couille. Hein. Mais en tout cas, les gars, deux partout. Pour l'instant, c'est extrêmement serré. On n'hésite pas à s'abonner à la chaîne en attendant. Hein, et à mettre le petit pouce bleu pendant que Islo choisit sur Arc Hunter là. C'est un snipeable. Ce que je t'ai pris, c'est un snipeable. Ah non, mais j'essaye pas de sniper du tout. Hein. Ouais. Hein? Non. En fait, je me suis rendu compte que j'avais fait que 4 decks. J'en ai pas le 5ème. Le 5ème, c'était le test. Ah merde! Ah oui, c'est... bah t'aurais pu prendre ce deck là. On a fait des tests avec des decks trolls. Ouais, okay. Clairement. Bon, du coup, la balle de match des deux côtés. Ah oui. Ouais, je vais la jouer un peu plus sérieux là, peut-être là. J'ai quand même envie de gagner le BO là. Sur ma chaîne. En plus, à chaque fois que j'invite des gens, je me fais défoncer gros. Ah bon? Oh, je sais ce que c'est. Je sais ce que c'est. C'est du cochon 6 à tous les coups. 100%. I think. Quoi? Attends, mais il n'y a pas un chasseur normalement? C'est quoi ce délire là? What the fuck? What the fuck? Oh, vas-y, du coup, tu casses les couilles. Allez. Non, je te jure, tu casses les couilles à jouer ça, gros. C'est quoi ce deck encore là? Ah bah, mec, moi-même, je ne ouais, sais rigole, pas. Rigole. Et voilà, tu fais comment là? Non, t'as recyclé? Oh! Quoi? Allez. Je prends un coup. Non, je prends un coup. C'était sûr que je prenais un coup, mais j'avais pas le choix. Ah, tu t'attendais pas à ce que j'ai le ballon, hein? Le petit ballon là, caché. Parce que les gens, ils ont tellement l'habitude maintenant de jouer contre. Molos. Oui, Molos rien quoi. Ouais, Molos à Walpé quoi. Ok. Molos Mitroglou, tu vois. Ça, je pense que c'est pas mal. Après, t'as une boule de feu. Je pensais que t'avais un... si t'avais un 6, me laisse tomber comment j'étais trop bien. Ouais, ça, je sais. Allez, encore. Oh, je sais pas si ça. Ouais, on va dire que c'est suffisant. Hein. De toute façon, je vais pas les défendre plus. Hein. Hop. D'ailleurs, on part à l'attaque. Mais je suis quand même pas très bien parce que j'ai pas réussi à te mettre la pression en fait, tu vois. Oh, merde. Oh putain, heureusement que je dézappe. Ouais. Ouais, mais tu cirques trop rapidement en fait, c'est trop galère pour moi. Hein. On a peut-être une boule de feu def, je pense. Ah, la petite boule def, coucou. Faut pas la rater celle-là, sinon c'est... Non, bah après bon, on l'a raté. Ah oh. Respecte Ami un petit peu là. Ah, j'ai fait la série. Alors. Même, hermano. Hermano. Allez. Non, mais ça va pas tuer, gros. Mais attends, mais ils ont mis Pika. Mais gros, c'est quoi ce délire? Incroyable, ça. Il y a combien de chasseurs sur cette planète? Allez, faut qu'il meure. Let's go. Non, il va pas mourir. Mais par contre, il est trop loin. Ça va pas connecter, c'est tellement tendu. Non mais gros. Oh let's go. Oh mec, comment ça tout est mort là? Il s'est passé quoi d'un coup là? Ah, il y a eu un flash zap gros, ça a tout nettoyé hein.
Je te jure, tu t'es mis yimbe. Ah, là je suis pas yimbe du tout là. Non, 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 mais gros, t'as pas vu ce qui s'est passé, frère. Fail barbare. Mais non, c'est pas le fail barbare, je l'ai mis sur le côté parce que je me suis dit, va boule de feu, il a dansé la samba, gros, il a fait demi-tour et après il était sur la tour. Oh non. Mec, en plus ce match-up là, quand je jouais très bien ce deck à l'époque, mais normalement je le fumais parce que normalement t'es censé mettre Ice Golem Mini TK, mais je sais plus faire. Oh là là. Je sais plus faire ça. Bon bah au moins ce qu'on peut dire c'est que c'était un beau BO, putain. Oh là là, ah le ouais. Choc à la fin, les gars. Bah, comme d'hab, Mitroglou un jour, Mitroglou toujours. Yes. Putain. Bah, tiens, en même temps, regardez. Voilà, mais ça va donner une leçon aux personnes qui nous regardent. Quand on joue en l'os, double sort, là, double petit sort. Et ben voilà, regardez ce qu'on se prend prochain. Voilà, c'est tout ce qu'on mérite. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Merci Islo d'être passé sur la chaîne. Comme je vous ai dit, les gars, vous avez sa chaîne dans la description si vous voulez checker. Nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour des nouveaux lives. C'était Lemonty. Ciao, ciao.